Et ça, ça dans la brochure, page 31. Page 31, deuxième colonne. Donc, il faut que la chalak ne soit pas mère. Parce que Eretz Israël, c'est un cadeau, parce que c'est quelque chose. Et Davkak, c'est pas tellement un bon exemple intellectuel, parce que c'est une des seules choses qu'il faut le ratson pour venir. Il y a Eretz Israël, Shabbat. C'est une des seules choses que c'est le ratson qui va donner, parce que c'est des choses qui ne sont pas de ce monde. Alors, c'est pas le bon exemple. Mais tout le reste, ça peut fonctionner intellectuellement. Quelqu'un peut être assis en train d'étudier 14 heures par jour. Il peut faire des miracles aussi dans le monde, il peut faire des miracles. Il peut venir, il peut te dire qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, combien tu as d'enfants, qu'est-ce qui va se passer. Il peut faire tout ça. Et tout ça, ça vient que de l'émotionnel. Ça tourne que dans l'émotionnel. Alors que comme ce qu'ils arrivent à faire les goïms, les sorciers, les trucs. C'est la même chose, mais ça peut être dans la Torah. Et ça peut être propre. Mais seulement, c'est pas branché sur l'infini. C'est pas branché sur l'infini. Comme Rabbi nous dit, que les tzadikim qui font des miracles, c'est les tzadikim qui sont dans les niveaux plus inférieurs. Parce que les tzadikim qui amènent la présence divine dans le monde, eux, ils n'ont pas le temps de faire des miracles. Ils ne s'occupent pas des miracles. Alors, Rabbeinu donne l'exemple d'un roi. Il dit un roi, il a un trésorier, et il a un homme qui est sage, et que lui dit toujours comment faire des guerres pour emmener l'argent. Il dit, le trésorier, qu'est-ce qu'il fait? Il lui signe des chèques, c'est tout. Mais le trésorier, quand il fait les chèques, et si la personne, s'il n'y a pas quelqu'un qui amène l'argent, le trésorier ne s'occupe pas d'amener l'argent. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin des gens qui amènent l'argent. Les trésoriers peuvent en trouver du coup, ce n'est pas tellement un problème. Alors Rabbi nous dit que les tzadikim qui font des miracles, c'est les trésoriers. Et il y a les tzadikim que tu ne vois pas d'eux des miracles, parce qu'ils sont très très élevés, et ils s'occupent d'autre chose. Ils s'occupent des problèmes de connexion entre le haut et le bas. C'est ça leur travail. C'est connecter tous les juifs, là où ils se trouvent, comment trouver des systèmes de connexion qui s'appellent des vêtements. Comme les abdites, tu vois, les sociétés de téléphone et tout, on cherche sans arrêt comment on va arriver plus loin. Maintenant, on arrive à ce que le téléphone il marche à 200 km d'un de l'autre. Maintenant, comment on va arriver au milieu du désert, que le mec peut utiliser son téléphone, on va arriver là-bas. Alors, les tzadikim, ils font ça. Les tzadikim, eux, ils ne s'occupent pas des miracles. Eux, ils s'occupent d'amener des systèmes de connexion dans les endroits les plus éloignés du monde. Voilà, comme il a dit ce monsieur-là, vous voyez, il dit que ça y est, il n'y a plus de... On ne peut plus dire que ça n'existe pas. On ne peut plus dire qu'il n'y a pas, parce que voilà, il y a. Celui qui veut, il est chez lui, il se connecte sur Internet, et tout, il suit des cours de Torah, il va se mettre à faire Khatzot, il boit des trucs au Shana, comme ceux qui sont venus à Oshana, que par Internet, ils ne connaissent personne, ils n'ont jamais vu un livre, rien. Mais en écoutant d'Internet, ils font mal à Oshana, ils sont venus. Donc il y a, ça s'appelle des vêtements. Pourquoi? Parce que ça va habiller quelqu'un d'une conscience de l'existence d'Hachem, alors qu'à l'endroit où il est, on ne livre pas là-bas de vêtements. Il n'y a personne qui livre des vêtements là. On va te dire, voilà, avant, tu voulais rentrer à la Yeshiva, alors rentre à la Yeshiva. Tu vas prendre la Torah, viens prendre la Gemara, tu vas prendre la Gemara, tu vas prendre Rashi, tu vas prendre Tosfot, viens, assieds-toi, prends. Aujourd'hui, tu vas apprendre, on va venir chez toi, reste chez toi en pyjama, et tu ouvres l'internet, tu prends ta Gemara, elle est expliquée, elle est avec les points, elle est avec les trucs, elle est en plusieurs langues, il y a des systèmes, ça s'appelle des vêtements, c'est ça le principe du vêtement. Alors maintenant, au niveau de tout le monde, et au niveau individuel, c'est la même chose. Le tzaddik qui fabrique des vêtements pour chacun, pour que chacun il puisse trouver un vêtement, c'est-à-dire un concept où il puisse se voir en tant que c'est quelqu'un qui sert Hachem. Quand quelqu'un te dit, moi je ne me vois pas faire ça, pourquoi il ne se voit pas faire ça? Parce qu'il n'a pas le vêtement. Mais s'il avait le vêtement, il se verrait faire ça. Il n'y a pas de problème. Ça qui se dit, moi je ne me vois pas prier tous les matins pendant 2 heures, moi je vais être fini, je fais chez moi. Je ne me vois pas prier pendant 2 heures. Pourquoi il ne se voit pas? Parce que le vêtement, pour que lui puisse se voir, il ne l'a pas fabriqué. Il n'est pas venu chez lui. Alors les rites sont mortes. Quand tu veux, tu fabriques des vêtements. Et le Zohar il dit que ces vêtements-là, que tu fabriques avec ce ratson, ce vouloir-là, que tu tires le ratson des tzadikim, les vêtements que tu fabriques avec ça, ils sont plus grands que les vêtements de l'action. C'est-à-dire que les concepts que tu amènes dans le monde de pouvoir capter la divinité en voulant seulement servir Hachem, en développant le vouloir permanent, ils sont plus grands que les actions que tu fais. Que tes actions, parce que dès que tu parles d'action,
tu parles d'émotionnel. C'est très dur de faire des actions sans émotionnel. C'est très très difficile. Il y a dans chaque mitzvah, n'importe laquelle, elle a toujours un côté qui est émotionnel. C'est pour ça qu'il y a une est-ce que les mitzvot, on peut être né, on peut profiter de la mitzvah, avoir un plaisir de la mitzvah ou pas. C'est difficile. C'est difficile de manger de la matzah le soir de Pessah, qui n'est pas d'émotionnel. Quand tu vois le CDR, quand tu vois tout ça, tu le fais sans émotionnel. Pour être détaché du monde complètement. Non, c'est nécessaire, c'est le côté simcha. C'est l'émotion, la simcha. Non, mais la simcha, c'est pas... Il y a deux simchas. Il y a la simcha de la vitrine et il y a la simcha de la cave. C'est pas la même simcha. Ouais, il y a la simcha quand tu es dehors et il y a la simcha qui a dépassé l'intérieur. C'est une autre simcha. Rabbeinu dit que dans la carte des du Baal Tfila, il y en a qui ont dit que le tachlit c'est la simcha. Bien que Rabbeinu dit qu'un aime al mal soit, mais ils ont la simcha quand même. Maintenant, quelqu'un qui s'assoit le soir qu'on fait ça, comme Rabbi Nathan dit pour Soukota, Rabbi Nathan touché là. Vous avez l'exemple qui amène là-bas, c'est un exemple de quelqu'un qui chatouille. C'est-à-dire que ça, c'est une fagoule, elle vient. C'est pareil, c'est qu'il se débranche complètement. Donc c'est vrai que c'est pas de la simcha. C'est pareil, Rabbeinu dit ça aussi. Rabbeinu dit que l'inam de chatouille, c'est quelqu'un qui a bu, c'est quelqu'un qui est dans Ribouillouor. C'est ça, Ribouillouor, c'est quoi? Ribouillouor, ça veut dire que ça vient de Satan, ça vient de l'intellect. C'est ça, Ribouillouor. Le Ribouillouor, ça veut dire que maintenant la personne, elle se permet d'agir qu'avec des concepts intellectuels. Ça, c'est les boules morts. C'est-à-dire qu'il a compris des choses. Alors, ce qu'il a compris, je vais faire. Mais attends, il y a une autre étape. Il y a une autre étape. Il faut que tu développes le ratson. Ok, tu as compris avec ta tête qu'il faut faire ça. D'accord. Ta tête, c'est-à-dire ton intellectuel, c'est pas de l'esprit. C'est de l'émotionnel, ton intellectuel. Parce que toute ta compréhension intellectuelle, tu ne l'as fabriquée qu'avec des repères que tu as pris dans ce monde. Tu ne sais pas ce que c'est la mitzvah elle-même. Toi, maintenant, la mitzvah, tu l'as traduit en langage de ce monde, qui est un langage de consommateur. Donc, tout ce qui est concept de Torah, qui vient de l'individu lui-même, c'est que l'émotionnel. C'est pas une hara du ratson qui vient dans la neshama. Donc, quand tu vois la vitrine de la Torah, c'est-à-dire que tu es à l'extérieur, tu vois une vitrine de la Torah, tu peux avoir de la simcha pour faire la Torah. Mais c'est pas une simcha du ratson, c'est une simcha uniquement de consommation. À un niveau raffiné par rapport à la consommation, mais ça reste la consommation. C'est Malikasso. Comme il dit Rabbi Nathan à Rav Nachman Toutchiner, quand il lui a dit, quand Rav Nachman Toutchiner, il dit, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent dans la soukha quand on a travaillé toute la journée pour faire la soukha. Rabbi Nathan, il dit, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on ressent dans la soukha quand on a prié toute la journée, on a dit, Ribono Shel Olam, fais-moi goûter le goût de la soukha. Alors Rabbi Nathan, il a mis en place tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il ne faut pas faire la soukha? Non, il faut faire la soukha, mais il ne faut pas oublier. Que c'est pas que faire la soukha. Il faut faire la soukha, il faut que tu pleures sur la soukha. Il faut que tu pleures pour qu'Hachem te fait rentrer dans la soukha. Pas avec ton marteau, et avec tes clous, et avec les dessins que tu mets, avec tout ce que tu veux. C'est pas pour ça qu'on va te brancher sur le Ratzon Elyon. Il faut que tu dises, je veux rentrer dans la soukha. Je veux rentrer, ouvre-moi la soukha. Je rentre dans la soukha, je m'assois, je mange. Qu'est-ce que je suis ressorti de la soukha? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Tu as pour dépasser l'émotionnel. Je raconte là-bas que le joueur va être un homme. Je ne sais pas, l'histoire de ce village, j'ai vu un petit truc comme ça. Il disait que la doucha, elle ne peut reposer dans ce monde, elle peut être chauvée dans ce monde, qu'à partir du moment où il y a la bouche. Tant que la bouche n'est pas parole. Elle peut pas, elle est Yahou Anabi, machin. Tant qu'on n'a pas dit Zah qui c'est Yahou Anabi, Anabi s'en va. Il est pire encore, même s'il est venu, il s'en va. Il attend qu'on l'invite. Il faut qu'on lui dise. Ça s'appelle l'invitation. C'est ce qu'on appelle en français. C'est le l'invitation, c'est-à-dire que tu invites, comme tu fais dans la soukha, tu as les ushpizim. Tu les ushpizim. Tu invites Abraham, Israël, Yaakov, tu les invites à venir. C'est-à-dire que maintenant, dans chaque mitzvah qu'on fait, il n'y a pas que le côté action, il n'y a pas que le côté intellect qui peut se traduire, qui peut aller jusqu'à l'action. Il y a le côté ratson, qui est ça le hiccup de la mitzvah. Je veux dire, alors, si on le prie pour quelqu'un, on lui prie que pour qu'ils aient du ratson, qu'ils fassent une mitzvah pour la mitzvah. Il faut qu'il la fasse, mais avec le ratson. Pas avec les mots. Qu'il fasse la mitzvah avec le ratson. Vaut mieux le ratson
seulement. C'est ce que Rabbi Nathan, si tu veux, le derrière de Rabbi Nathan, dans le tout à la fois, ce que Rabbi Nathan est transmet, c'est Ratson et attente. Rabbi Nathan le dit comme ça. Tu veuilles et attends. C'est ça le derrière de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'on fait rien? Nathan, on va faire, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Je veux et j'attends. Mais combien de temps je vais vouloir? Le maximum que tu peux vouloir. Le maximum de temps que tu peux investir dans le vouloir. Parce que quand tu vas sortir après de ce vouloir, de cette attente, tu vas arriver à quelque chose. Cette chose-là, c'est un vrai vêtement infini. C'est un vêtement de Dieu, mamash. C'est-à-dire que tu es arrivé à faire une réparation totale. Tandis que si tu prends, alors tu as pris. C'est tout. Tu es venu, tu as pris. Tu dis aux gens, mais qu'est-ce que vous attendez là? Ben, on attend. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'esprit? C'est une grosse, c'est une énorme marque dans, dans la Gemara. C'est quoi cette Gemara là? Il y en a qui disent, il y a le côté de la mitzvah, on fait la mitzvah et ça suffit. Et c'est une grosse marque des juifs et des géants de géants qui viennent et disent, non, il n'y a pas besoin de faire des effets. C'est tout ce que vous dites, c'est le principe de l'échange et c'est d'inviter la mitzvah, de venir, de, c'est pas que je viens faire, ça suffit pas. Ça, c'est valable pour justement des gens qui sont très grands, qui sont un éclairé dans le ratson. Tu prends des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme Rabbeinu ou comme Baal Shem Tov, toutes ces choses-là, ils sont déjà eux dedans. Le Baal Shem Tov, c'est un morceau de Ratzon entier. Donc tu ne peux pas lui dire, il faut le vouloir. Vouloir quoi? Moi entier, je suis vouloir, je veux que ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est-à-dire vouloir. Vouloir, c'est que quelqu'un est dehors, il veut quelque chose. Donc, il veut entièrement dedans. C'est pas, mais le ridouche de Rabbeinu, il est au-dessus de tout ça. Rabbeinu, c'est un ridouche plus grand que ça, parce que Rabbeinu, même quand il est arrivé les dernières semaines de sa vie, quand il rentrait des fois par une inadvertance, quelqu'un rentrait dans sa chambre, il le trouvait couché par terre, en train de faire des couché par terre, et en train, mamash, de pleurer comme quelqu'un qui vient de faire tchouva il y a un quart d'heure, qui regrette toute la vérité qu'il a fait dans sa vie. Le ridouche de Rabbeinu, c'est qu'il tenait les deux en permanence, même jusqu'au dernier instant de sa vie, il tenait les deux côtés en permanence. Et ça, c'est une très grande madrigal. Ce que Rabbeinu l'a dit sur l'argent, il dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, il ne gardait pas l'argent. Il dit que, pourquoi? Parce qu'il dit, chaque jour, il y a une bracha chadasha, la main. On ne garde pas la main d'un jour à l'autre. Le soir, il dépense tout son argent, il dépensait. Il donnait au même temps, mais il ne gardait pas l'argent pour le lendemain. Rabbeinu dit, lui, il était plus grand dans la madrigal, il pouvait garder l'argent pour le lendemain, et ce n'était pas l'argent de la veille. C'est-à-dire que cet argent, lui, s'était fondu dans les trachouk du lendemain. C'est un plus grand niveau. Parce que quand le Racham dit Racham comme un jour, et le, je suis sage comme un jour, et l'autre, le mendiant, il dit c'est sage comme quel jour. Alors quand il dit comme quel jour, il faut prendre les Racham comme tous les jours. C'est-à-dire le jour que tu veux. Ça, c'est pareil. Rabbeinu dit qu'il y a une madriga de ne pas garder l'argent, de dire voilà, chaque jour, c'est la manne de la journée. Je ne prends pas l'argent pour le lendemain. Dieu l'a émouna achève dans le Shefa d'aujourd'hui. Et il y a celui qui est capable que tout ce qu'il a, c'est que dans le Ratson. Donc il peut l'amener à l'infini, tous les jours il peut l'amener. Parce que ça prend, hein, ça se renouvelle avec le système. C'est pas quelque chose qui est...